Bonsoir, nous sommes avec Dimitri Fautré. Dimitri Fautré, donne-nous ton avis sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le football local. Ben, je trouve que ça peut être une bonne chose, surtout au niveau du football européen. En même temps, ça peut nous permettre de nous surpasser, de connaître nos capacités, de connaître nos limites et de savoir où est-ce qu'on peut, quel niveau on peut atteindre pour pouvoir prétendre à un niveau assez supérieur à ce qu'on peut rencontrer dans notre championnat actuel. En parlant justement de niveau, tu as eu l'occasion de tester cette nouvelle technologie. Qu'as-tu retenu durant tes tests? Beaucoup de choses positives, beaucoup de satisfaction aussi, parce que c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de l'utiliser deux ou trois fois. Et ça, j'ai beaucoup été surpris parce que en fait, ça m'a permis d'apprendre à me connaître. Parce qu'il y a beaucoup de domaines où je pouvais améliorer. Et avec le GPS, ben en fait, il y avait plus de précision, plus de profondeur, de mieux me connaître au niveau de mon état physique, au niveau de mes capacités, au niveau de mes sprints, au niveau du nombre de kilomètres que je fais dans un match, au niveau de mon poste de relayeur. Et je trouve que c'est une très très bonne chose et je conseille vivement aux joueurs qui coachent dans le championnat européen de se pencher sur le GPS. Justement, tu as décidé de faire l'acquisition. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette acquisition? Parce que j'ai des objectifs personnels. J'ai l'ambition de jouer avec la sélection et le niveau il est assez élevé. J'ai l'ambition aussi de me connaître physiquement. J'ai l'ambition de pouvoir atteindre un niveau assez élevé. Et je trouve qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et il n'est jamais trop tard pour se surpasser. Et moi, j'ai cette ambition et j'ai cette envie de passer à autre chose, de passer à un niveau supérieur. Et de savoir, et peut-être qu'avec le GPS, ça peut me permettre, peut-être pas d'atteindre un niveau d'excellence, mais d'atteindre un niveau assez où, personnellement, je pensais que je ne pouvais pas atteindre, en fait. Merci beaucoup, bonne soirée.